Va laisser au séduit, plus belle richesse à qui vit à ta peste, mais casse à ta nouaille. Un paquet de l'amour bat tout pour nous regarder nous reconnecter moi tout de suite et les autres pour nous pouvoir voir aussi les monde qui connectés avec nous sur les réseaux sociaux des gens quand même aussi tout le monde qui là qui connecté qui en direct avec nous. Bon, c'est vrai qu'on est triste, hein? Je suis triste, hein? On s'y prend en la peine, hein? Parce que bon, on voit yoba équipe en moins 1, 2, 3, on lâche la manette. Donc on est obligé de lâcher la manette. Mais là, on s'en supportait, on s'en vrai supportait. On s'en supportait ou de cœur. On s'en supportait qui vraiment supportait. Ou pas un supporter de buzz. Eh bien, on s'en supportait comme moi. Faut équiper qui dans la victoire ou qui dans la défaite. 1, 2, 3. Les bêtes, bon, nous. Nous lâcher la manette. Donc on passe la manette, donc on est à règle. Hein. C'est comme la PS4. Hein. 1, 2, 3. Là, j'apprends 3, ça arrête. Sinon, après ça, tout dans l'humiliation, comme a connu une certaine équipe qu'on appelle le Barça. 8-2. Et on a laissé la manette, on a essayé un peu d'affaiblir, hein, le Barça. Nous faillons courir quand même, même si on a... Hein, pas le Barça, le Bayern. Nous essayons d'affaiblir le Bayern parce que nous disons, bon, quand même, bon, nous croyons pas, mais on nous fallait nous courir quand même pour essayer de faciliter le PSG quand même, hein. Hein? En tant que frère, nous essayons de faire courir pour dire qu'on sait que l'as, il y a du mal à récupérer, il y a que, on fait courir, hein. Mais, franchement, à respecter Paris, pour les Parisiens, non, au minimum, fait qu'on nous, prend 1, 2, 3, mais pas pour un pisse. Non. Essayez, pour 3 bicons nous seulement. Pas pour pisse, parce qu'elles ont voué ces bougas. Là, ils ont gagné Lyon, ils ont gagné Lyon. Les gars, c'était comme ça. Fermé, rigide, déterminé. Ils n'ont pas fait fête, ils n'ont pas. Non! Ils ont là, continue. Et après, je me suis dit, on a l'impression que ces bougas. Bizet, marchez si Paris! Marchez! Alors, 1, 2, 3, on passe la manette. Paris, c'est 3 autres dimanche. Franchement. Et c'est bon, pour toi, bisellement, pas essayer de prendre. Ah non, parce que la ressortie, c'est beaucoup à faire. C'est allemand la fait. Hein, c'est allemand la. Hein? Envoyez-vous parler en conférence de presse. On a peur de personne. Nous sommes les Bayern. Regardez les étoiles. À qu'espérer que Paris, les étoiles se seront sur le maillot. Hein, après la victoire, pas autour de la tête. Hein, parce que si vous faites votre vrai, le tournis, les étoiles, qui paraît qu'on a des dessins animés, il y a des choses. En tout cas, bon, les Lyonnais ont félicité les autres. Hein. Ils ont fait le maximum. On ne nous attendait pas. Franchement, fier des autres. C'est une partie remise. L'année prochaine, on n'aura pas de Ligue de Ligue des Champions, ni de Coupe UEFA, pas de Coupe d'Europe. Donc, nous devons reprendre si temps, nous. Pendant que nous avons joué l'Europa League ou la Ligue des Champions, nous devons reposer. Nous devons... Voilà. Sinon, ben, on a pensé aussi pour les voisins à moi, hein, qui malheureusement quitté nous. Donc c'est pour ça que je suis doublement triste. Et c'est un monde qui n'est pas autant à moi. À ce moment même, c'est un terme aïe. C'est un monde qui vraiment grandi. C'est un monde qui toujours parle de moi de tout petit jusqu'à l'empathie. Et mes pensées vont à toute sa famille. Hein. Malheureusement, plus nous avons grandi, plus des monde qui vraiment nous grandi, qui parti. Mais c'est ainsi va la vie, donc à 4 autres, profitez des prochains autres pendant yo là. Parce qu'après, trop tard. Là, quand regardez un caoutier, moi, enlevé, eh bien, toutes ces mouna qui vraiment grandi, eh bien, presque tout déjà parti, quoi. Toutes ces mouna qui vraiment tout petit, qui vont même marcher, qui vont même monter, bicyclette, faire roller. Enfin, fait bêtise aussi, hein. C'est la vie aussi.
Eh bien, il a parlé encore, quoi. Il a parti, il a quitté nous. Quoi, vrai? Donc, ça a nostalgique, ça a dit là, mais c'est en prise de conscience. Faut nous prendre conscience que nous, si la terre, nous pas si la terre pour rien. Nous avons une mission à faire si la terre. Et comme un grand animateur te dit, à chacun son destin. À quand vous voyez un gros force, bon, monsieur Ebo Simon. C'est phrase. À chacun son destin. À chacun son destin. Qui est fait comprendre l'ambiguïté de ce destin? Qui était d'accord? Qui n'a pas été d'accord? Qui n'a pas été content? Qui n'a pas été content? Ça qui là-bas, global chaye. Pas occupé ou des mouns. Quel moun mal parle ou? Quel moun pas aimé ou? À part ça qui n'a rien envie ou? Bien au contraire ou? Proférer des mouns pas aimé ou? Qui yon fait semblant aimé ou? Comprendre, ça c'est les paroles des anciens, c'est vrai. Et faut nous sortir du paraître pour être dans le réel. Faire des petits concrets. Et au cas où, là, on va regarder tout ça qui a passé autour de nous. Là, on va regarder ça qui a passé dans le monde, mais ça qui a passé aussi autour de nous. Là, on va regarder presque tous les grands parlant encore. En cas, mais pour nous passer à notre époque. Hein. Parce qu'avant, t'es ni l'amour. Avant, t'es ni solidarité. En cas, songer des mouns qui prennent le temps à yo pour éduquer le peuple là, pour éduquer les petits. Moi, j'ai pensé pour les frères Larry Frebo. Parce que, en cas, songer des Larry Frebo, on était tout jeune. Eh bien, on était jeune des frères Rasta. Oui, c'est pour gâter les gars qui le sang à yo. Mais yon te ka ba la sagesse aussi. Parole conscient. A ka voyon gros force ba mi se Wojex. Ki jan Wojex. A sa ka ou pa gwa du bon ba la. Peut-être tout ka gade Wojex. Parce que yon te revo Wojex la rifre bo. Eh ben Wojex c'était un bouk te ka ba bon choun. Bon spirit. Bon conseil. A pa yon ki Wojex ni li va ni f. Tot. Ni pa ket moun. Blue. C'est les frères qui. Montrez-moi le chemin. Là, tu es la famille Dja. Ou à son système, la famille Dja, tu là. Je te explique au pauvre, mais. Mi Bible là, man. Écriture là. Li écriture là. Ok, on va chanter. Ok, bon, on va habiter si bien. Ou bien, si bon, wow. Mais, spirit là. Faut pas prendre qui si bon, là. Pas ni spirit là, ça. Vous comprenez, non? Donc, quoi, on habiter là, ça? C'est des frères qui te ramènent ça gratuitement. Aujourd'hui, ces actions sont devenues un métier. C'est des médiateurs, mais les frères ont déjà fait. Et en chaque commune, en chaque quartier, tu as des frères qui étaient là et qui te apprennent vous le coach là. Conscience là, man. Aka big up les frères contre Tibob. Big up Tibob. Et quand d'autres frères, il y a un paquet de frères en paye nominant parce que c'est oublié, non, ça fait jalousie. Mais il y a un paquet de frères, qui montrent nous le chemin, qui montrent nous la lumière. Ou moi non, Akabigopio, paquet love bayo. Et c'est ça pour Penny. Un paquet de frères aussi qui empêchent nous faire des erreurs. Parce que ni des erreurs qu'on peut remonter, surmonter, mais ni des erreurs qui rêvent aussi bien. Et si vous n'avez pas de monde pour parler, ce n'est pas de monde pour pêcher en faire serrer là, ça. Et vous avez pas de fil là, ouais. Donc, on a big up tout ce monde à ça. Tout ce monde qui est venu vers l'offre. Tout ce monde qui est mettre l'amour pour les autres, quoi. Parce qu'il n'y a pas de quête, c'est vrai qu'il n'y a pas de médiatisé. Mais il y a de faire un travail. Et jusqu'à ce jour-là, il y a un lot de faire. Il y a de faire dans la vraie vie. Il y a là pour les autres. Akabigopio, les bénévoles des associations, de toutes les associations qui existent, que ce soit sportives ou culturelles, il n'y a pas quatre personnes qui ont des temps à yo, des vies à yo, des énergies à yo, pour les autres, ou pour si moun à les autres. Toutes ces mouns à ça, il faut nous mettre yo en avant. C'est yo les stars. C'est yo les stars. Il y aura fait pour rien. Il y aura fait pour l'amour. Il n'y aura pas fait pour l'argent. Ou pour la gloire, il y aura fait pour l'amour. Woman, donc on a big up yo.
Arabi comme toutes les communes, tous les quartiers. La ville, la campagne, tout côté. Grande Terre, Bastien, Marie-Galante, les Stettes, la Désirade, Saint-Martin, Saint-Baut. Ok? Saint-Domingue, Haïti. La Martinique, la Dominique. Tout Caraïbes là, we are one people. Miami, Porto Rico, New York. Canada, Montréal, Toronto, Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, tout côté. Gorge Gonesse, Big Gob, tout côté. En Normandie. Eh bien voilà. Attention, le Covid est là. Le Covid est toujours là. Le Covid fait des victimes encore. Plus de 5000 victimes nouvelles en France aujourd'hui. En Guadeloupe, pas même parler. Covid n'a pas ni combi, ni attaqué tout le monde. Covid n'a pas attaqué tout le monde. Protégez les autres, les gestes barrières. En servez-nous. Tous les jours, nous allons répéter ça. Ok? Et à te répéter, à te dire. Songez, ici même. Pendant qu'on est en confinement, j'ai lancé un appel aux députés et aux sénateurs. Ici même, après les appels, les SOS des prisonniers, les SOS des parents des prisonniers, ici même sur ce plateau, des jours et des jours, tous les jours j'ai lancé cet appel. J'ai demandé aux députés, aux sénateurs de se rapprocher de la prison. D'utiliser leur droit de parlementaire, de pouvoir rentrer dans la prison à n'importe quelle heure pour aller prévoir à la sécurité des prisonniers. Parce que j'ai des mamans et des papas des prisonniers qui m'ont appelé. J'ai des prisonniers qui sont en contact avec moi. Des prisonniers qui sont en contact avec moi. Ils avaient peur que le coronavirus soit dans la prison. Eh bien voilà, aujourd'hui, eh bien on apprend qu'il y a eu un cas qui a été détecté à la prison. Ils avaient averti. Ils avaient averti. Ils avaient lancé un SOS. Songez-nous. Aidez-nous. Vivez-nous. Un seul député a appelé en direct ici. Un seul député a appelé quand j'avais lancé l'appel. À part avoir pour sénateur crié. Et les autres députés, faut qu'on suive ça parce qu'ils intéressent yo. Eh bien, mis à l'air la coronavirus là. Ils rentrent dans la jolie là. Pas oublier. Pas oublier. Ces frères, c'est en nous qui ont la jolie là. Ces cousins en nous, ces familles en nous qui ont la jolie là. Pas oublier yo. 3 mois ou 4 mois après, voici le résultat. Encore voyons, il faut se battre tout le monde qui regarde nous, depuis un petit temps là. MA1, MA2, CD1, CD2, le quartier des femmes, le quartier des mineurs, la jeune Bastien, la jeune Martinique, la jeune Guyane, la jeune de l'homme, renvoyez force basotte. Pour moun pas regarder qui j'en qui l'état c'est Bouga, a dit dans là. J'avais lancé l'appel, suite. Aux appels que j'avais reçus, des SOS, de maman inquiète, de papa inquiète, de détenu inquiet. Et bien voilà, j'ai appris qu'il y a eu un cas. Et que... Alors, quand vous voyez, force bat tout le monde, ils ont pu crier nous 0590 96 10 10. Alors, il y a à peine 2 jours, hein, nous devons faire une émission, avec des frères qui étaient découverts. Un Canadien qui était égaré, eh bien, sur une mission là, dans la montagne. Et nous avons rappelé les autres, les frères étaient venus au plateau pour sensibiliser les autres, pour petit les autres, attention, la montagne n'a pas en jeu. Les autres qui appartiennent à la randonnée, pas parti, tout ça là, les autres. Il y a 2 jours, on a fait l'émission. Ou 3 jours, je ne me rappelle même pas, le temps passe tellement vite. Ils ont tout le temps qui passé. Alors, j'ai là encore avec Maxine, hein, je connais l'île, hein, Clitma Island, il a coûté pour tant, tant pour comprendre. Zoomé. Alors, Maxime, vous qui ont, comment dire ça,
on amoureux des randonnées, des promenades en pleine nature. Avant pour nous raconter qu'a qui fait, qui message de prévention ou peba tout le monde qui a gardé nous par rapport au randonnée. Qu'a pour pas faire, qu'a pour faire. Anyway. En Guadeloupe ou ailleurs, Chica, faut jamais sortir en forêt, en falaise, peu importe. Faut jamais partir en randonnée tout seul. Même moi qui suis plus qu'un confirmé, ça m'arrive très rarement ou jamais de partir seul. Et quand par exception je le fais, y a des personnes qui sont au courant exactement de où est ma voiture, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je compte faire, combien de temps je suis censé partir à peu près pour savoir que si au bout d'un certain temps je suis pas rentré, il faut commencer à s'inquiéter. Mais même ça, il faut éviter de le faire, parce que des accidents sont vite arrivés, très facilement, très bêtement. Donc il vaut mieux prendre toutes les précautions possibles face à la nature, parce qu'il y a très souvent, ça ne pardonne pas en fait. Alors nous avons un appel et nous avons revenu. Allô? Non ben, mon apathie. Alors, qu'est-ce qui passe? Racontez-nous. En gros, le docteur Winkler, c'est quelqu'un que moi je ne connais pas personnellement, mais qui avait l'air d'être connu de beaucoup de personnes en Guadeloupe, est parti en randonnée, logiquement samedi après-midi, sur le secteur de Bière-Lauton à Bouillante. Il était censé avoir un rendez-vous dimanche midi à la Touna, avec un collègue à lui. Et dimanche midi, il n'était pas rentré de sa randonnée. Moi, j'ai vu l'appel à l'aide, enfin l'appel à recherche... Nicolas, on est jeudi, mardi soir. C'est une amie qui m'a envoyé ça, qui m'a envoyé la photo de la gendarmerie, me demandant simplement de partager sur les réseaux sociaux, etc., histoire d'essayer de faire ça passer à un peu plus de monde. Et tout de suite, je lui ai dit qu'il n'y a pas de souci, je pouvais partager, mais que j'avais aussi pris la décision demain matin, mercredi matin, de partir et d'essayer de retrouver ce monsieur, qui n'était donc pas rentré depuis samedi. Est-ce que c'est un secteur qui est déjà habitué à visiter? Pas forcément. Sur Bouillante, j'avais été un peu me balader du côté... Enfin, Bouillante en lui-même, oui, mais le secteur de Bière-Lauton, pas plus que ça. J'y suis allé une fois, mais j'ai vite fait, pas beaucoup. Alors, l'heure partie, tu es parti quand? Mercredi matin à 5h30. Ok, alors l'heure partie, racontez-nous à peu près, quand on fait? En gros, je me suis basé sur certaines infos qu'on m'avait données. Moi, ne le connaissant pas du tout, j'ai demandé est-ce que c'était quelqu'un d'assez sportif, pas trop, est-ce qu'il était capable de partir à 10-15 bornes ou non, pas du tout. On m'a dit que oui, c'était un bon randonneur, etc. Donc j'ai pris la décision de monter tout en haut du Piton de Bouillante, à 1088 mètres. Ça prend en moyenne 2 heures pour quelqu'un de normal pour monter. Le seul problème de ce secteur-là, c'est qu'il est très vaste. Déjà, dès le départ, il y a 2 départs de traces différentes possibles. Il y a 2, voire 3 rivières. Il y a Espérance, il y a Bourseau, et il y en a encore une entre les deux. Quand on arrive en haut du Piton, il y a encore 3 autres départs de traces possibles. Et quand on monte jusqu'au Piton, en fait, sur 6 km, presque tout le temps, il y a possibilité de chute à gauche ou à droite, 100 mètres plus bas. Donc personnellement, je partais dans l'optique soit de ne jamais retrouver ce monsieur, soit de le retrouver mort, parce que le secteur est très vaste et assez engagé, et il y avait un paquet de scénarios possibles en fait. D'accord, on prend un appel, on revient. Allô? Allô? Bonsoir, tu nous appelles d'où? Le Grand Confica, c'est Papillon. Allô Papillon, ça va, on t'écoute? Eh ben, on est là, ça va. C'est vrai que c'est triste, c'est très triste. Bon, je ne le connaissais pas vraiment, mais c'est triste, ça fait mal d'entendre ça. C'est pour ça qu'on dit aux gens de faire attention, de jamais partir seul à faire des randonnées, parce que les pros même, les vrais pros, ne connaissent vraiment pas où est-ce qu'ils vont et comment, quelle profondeur et quelle largeur que le monstre de la Guadeloupe est. Il faut faire attention, très attention à ça. Surtout ces jours-ci, il pleut et c'est glissant. C'est très glissant, il faut faire attention. Je voulais dire deux trucs, hein, Chica, excuse-moi. Vas-y. J'ai entendu ce matin qu'il y a eu le Covid en prison. Je connais pas mal de personnes. C'est vrai que c'est pas vraiment les prisonniers, c'est des gens qui viennent, les parents ou bien des amis qui viennent voir les prisonniers qui emmènent ça. Il faut faire attention aussi parce que ça, c'est un gros morceau. C'est un gros morceau, Chica. Et les gens qui jettent leurs masques.
Je le répète, je le dis, hein, parce que la dernière fois j'ai fait une réunion, j'ai dit ça. C'est pas des jeux, ne jetez pas vos masques à terre. Parce que n'importe qui peut prendre le masque, peut vous faire du mal avec ce masque-là. Parce que le masque, c'est dans votre visage que c'est, dans votre bouche que c'est. Alors faites attention à ça, messieurs. Oui, 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 papillon. Redis ça encore, parce qu'ils savent. Leur dit, n'importe qui peut vous faire du mal, parce que, par exemple, masque-là, même déjà, si on a le COVID, ou contaminé. Oui. Donc, leur jeté à terre-là, ou contaminé d'autres monde. Premièrement. Oui. D'autres mondes, mais, un réfléchir à son c'est là aussi. Faut dire le vrai mot. Soyez en masse là. Il y aura un million de coups sur ces là. Si vous n'avez pas les bails, franchement. Excuse-moi, je l'ai dit ça là. Donc à acheter, ça c'est en l'argent déjà. Donc à mettre en bouche à jour tout en journée, 4 heures de temps. Après, donc à jeter à tes là. Mouna peut-être qu'il compte d'autres qui ont bité, il peut faire d'autres n'importe quoi avec masse là ça. Faites attention à ça, messieurs et dames. Jeter à dents ou bien les mêmes, mettez en sac à zot. Et ce que jeter à casa zot ou la zové, mais pas jeter à tes là. D'accord? Parce que c'est vie à zot qui a dents. Voilà, c'est ça seulement que j'ai dit. Je suis content de voir parce que quand je suis pas crié, mais en tant qu'habitant, je suis fait des affaires, mais je suis content de voir Chican là. Eh bien, moi aussi, je suis content de vous. Gros bisous. Ok, bisous. Boudoum. Alors, Maxime, qu'est-ce que tu disais? Vas-y. Non, plus l'impact environnemental aussi. C'est vrai. Les masses finissent dans l'eau, les poissons les mangent, on mange le poisson. Non, mais c'est vrai parce qu'il faut une conscience que, j'en avoue, tous les jours, nous attendons que le nombre de cas là a augmenté. Donc ça veut dire que tous les jours, il y a découvert qu'il y a des gens qui ni maladie là, qui malade. Ça veut dire que ces gens là, avant que vous ayez découvert qu'ils sont malades, ils sont déjà malades. Donc on va nous parler de raisonnement. Tous les jours, il y a découvert ça parce qu'ils ont testé les gens. Qu'il y a ni des gens qui ni maladie là. Mais avant que vous ayez découvert que ces gens là, ça, malade, c'est mon âme déjà malade. J'en ai déjà content qu'avec yo. Yo déjà contaminé d'autres moun. Mais ces masques-là, l'homme moun malade, j'étais massaï. Virus-là, c'est comme si que, en fait, moun a propagé virus-là. Ah oui. Mais oui. Sans compter ça, papy, on dit encore. C'est occasion pour vous être un bel sorcier. Eh oui, nous connaître. Faut nous parler vraiment. Nous politique des deux en Guadeloupe. C'est au pitu en Guadeloupe. Y'aura un sorcier pour tout biter. Y'aura un sorcier, même ça pourquoi. Y'aura un sorcier. Y'aura pas vrai. Qu'on fait yo, mais l'argent là yo ni là yo gaspillé pour yo mettre ou pour y payer. C'est ça, c'est la politique du fun. C'est ça. À quoi passer quoi nous ces pays là? Il y aura un bis moun sauce dans le monde. Gardez ça, fait toujours rempli. Profession là même qui va marcher le mieux au Guadeloupe. Gardez ça, docteur. Bon, les docteurs qui ont fait l'aider, parce qu'il y a des docteurs qui plaît. Il y a des docteurs qui rempli, et des docteurs qui vide. Il y a pourquoi. Mais, c'est ça. Tout l'argent nous ramène là. Fait mon tala mal, fait mon tala. Fait ça. Après, nous allons passer à la pub. Pas vendre la mal pour rien. Si vous vendez la mal, vendez pour un bon bidet. Si vous avez la main, hein? Vous n'avez pas fait. Mais si vraiment vous avez fait vraiment. Vendre la main pour être millionnaire. Vendre la main pour avoir un paquet de l'argent. Parce que j'ai manqué l'argent. Non. Mais nous quand vous regardez des affaires pour faire prochain nous mal. Ou pas regarder des affaires pour faire avancer. Qui veut dire pour avoir un paquet de tout ce que tu voulais, c'est pas moi. La plus belle femme du monde, c'est pas.
Nous, on a dans la politique à détruire l'autre. Ou à gaspiller l'argent pour détruire un monde. Ça n'a pas de problème. Ou pas faire rien pour payer, ce qu'on fait pour payer, faire la tarée qu'il est. Mais c'est ça politique en nous. Et ça, ça dure depuis plusieurs millions d'années, depuis tout le temps. Vous ne pouvez pas voir Zina pourquoi. Vous ne pouvez pas voir Simon Avazina pourquoi. Pourquoi vous ne pouvez pas Simon Avazina là réussi. Quand il dit non, il faut que Simon aille traîner dans la rue là. Il faut que Simon aille pile de bivère parce qu'il fait éviter. Voilà. Soupez pas, moi c'est le bien choisi. Soupez pas choisir le bien, pas faire le mal. Mettez-vous à la place des autres. Souris et mettez-vous à la place des autres, eh bien vous pouvez faire les autres mal. Parce que Mouna ou Kaye là, peut-être demain, c'est Mouna qui a sauvé la vie. Mouna ou Kaye là, peut-être demain, lorsque vous trouvez en difficulté, lorsque vous trouvez au portes de la mort, c'est Mouna qui est là pour sauver la vie. Sauver souffre de vie. Pour pas être là. Tout songez ça. La vie trop courte pour nous gaspiller le temps nous dans la division. Pour nous gaspiller l'énergie en nous, dans la négativité. En nous être positif. Si vous ne pouvez pas aimer un monde, pas Eli. Sois neutre. Si vous ne pouvez pas aimer un monde, respectez au moins. Juste ça. Télévision va marcher sans publicité. Après la pub, nous allons retourner. L'amour. J'ai un appel, nous avons un appel là. Allô? Pour un appel? Ok, donc je peux crier nous. Donc, alors Maxime, donc tu es parti, tu t'es rendu à Bouillante. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Bah, comme je t'ai dit, j'ai commencé par la partie forestière. Pendant 5 heures, j'ai fait toutes les options possibles, que ce soit ravine sèche ou trace, etc., pour essayer de voir s'il n'était pas là. Tout ce qui est ravin, comme je t'ai dit, il y a plus de 100 mètres de fond, donc c'était galère à voir. Ensuite, je suis revenu à ma voiture. Il y avait un groupe qui était parti avec moi à 5h30. Moi, j'avais pris à gauche et ils avaient pris à droite. Et ensuite, j'allais repartir en forêt. Et puis, je me suis dit, laisse-moi d'abord aller vérifier en rivière, sur Bourseau, justement. Donc, je suis reparti sur la trace. Ensuite, je suis parti à droite par là où les canyonneurs passent. Je suis descendu en rivière, etc. J'ai bombardé dans la rivière. Je suis arrivé au-dessus de la cascade de Bourseau. Et quand je suis arrivé au-dessus, il y avait deux pompiers en bas. Donc je suis descendu par la gauche, par là où tout le monde descend. Je suis arrivé au niveau des pompiers. Je leur ai demandé est-ce que par hasard ils n'avaient pas trouvé le corps ou quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'ils m'ont dit que oui, le corps était plus bas. Enfin, le médecin était plus bas avec des collègues. À ce moment-là, je ne savais pas encore quelle était la situation. Donc j'ai continué à bombarder. J'ai dépassé deux gendarmes. Ils m'ont aussi confirmé que le médecin était plus bas. Et ensuite, quand je suis arrivé, en fait, il y avait le premier groupe dont un collègue à lui faisait partie, qui était parti, qu'il avait trouvé. Ensuite, il y a eu deux autres groupes de randonneurs, des trailers, qui sont aussi arrivés entre-temps. Entre les deux, les pompiers et les gendarmes avaient déjà été prévenus, c'est pour ça qu'ils arrivaient sur le site. Et donc moi, je suis arrivé, je crois, une quinzaine de minutes après que les groupes aient découvert le médecin. On prend une appel, on revient. Allô? 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 Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Didine de la Martinique. Ça va? Oui, nous l'entendons très bien. Et vous-même? Eh bien, ça va, fait plaisir. Tant vous. Je vous un bel bonjour à toute Martinique à garder nous. Nous qui écoutez, la famille. Ah, ben merci. Je t'ai dit qu'on a du virus qui a dit du bon. Si ce n'est pas le confinement, on ne pas vraiment connaître tout. Donc, ça semble super positif. Ah, bon, tout ça, il faut j'ai la Martinique ou pas connaître moi quand même? Ah. Non, moi toujours t'es kawar, mais mon pâté vraiment t'es fouillé dans la profondeur. Ah, voilà. Là. Donc là, on découvre moins. Voilà. Eh bien, ça fait plaisir. En chaille. Et ça fait moins plaisir. Et, non, moi, t'es tout en bas. Je dis à la Marie, si vous voulez, moi, on a fait masque, on a distribué au public. Mm-hmm. Mais il faut dire c'est mon nom. Pas mettre ça en Fidjizot. Bah, il y a un l'odeur qui n'est pas normal. Alors, qui m'a dit que vous voyez ça, Mazot? Vous comprenez? On s'en fait pas, j'ai 5 masques blancs. Qui m'a dit que vous voyez ça, Mazot? Tout le monde. Ok, en Martinique, vous voyez ça, Mazot? C'est pas normal, il faut des gens pas respirer dans les là. D'accord. Bon. Enfin, moi, je pense que c'est comme ça. Moi-même, je vais chercher à m'en tout dit. Je suis obligé de mettre dans notre chercher, puis je vais m'arrêter ça.
Donc c'est des masques qui m'ont envoyé. Faudrait nous pas nous faire n'importe quoi. Nous, alors qui m'ont envoyé ces masques là-bas? Qui m'ont envoyé ces masques là? Moi pas ça, moi le ministère de la Santé, j'ai hier. Ah ok ok, donc il va envoyer masque bas. Il doit t'envoyer ça bas. Tout le monde, parce que j'ai besoin. Non, c'est que moi pour recevoir ça, ou j'ai recevoir ça, Maxime. Non, nous pouvons recevoir ça, à part ça, peut-être si vous avez Guadeloupe. Mais moi, personnellement, à pour recevoir. Donc, vous avez ça, Martin, avec tout le monde. Moi, je suis un petit peu étonné, mais moi, le papier a écrit le ministère de la Santé. D'accord. Mais bon, c'est pas aussi mauvais bail, mais ça, moi, je fais comprendre, c'est que ça n'est l'odeur qui n'est pas normal. D'accord. Quoi, il faudrait nous passer n'importe quoi parce que nous paniquons. Eh bien, ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Je aussi, et puis. Où ça nous allons faire la famille? Nous allons laisser et nous allons poser la question. Alors si d'autres monde aussi recevraient des masques comme ça, qu'elles ont crié nous pour pédir nous aussi, si les autres ont ta zone qui sont en l'odeur, parce que moi pas ça va pas au courant que vous voyez massacre à moun. Ah ouais, non, mais quand pas c'est peut-être l'odeur qui suit, peu importe, mais malgré tout ça, okay. On peut pas mettre un vidéo sur ou pas vraiment, quoi comprendre. C'est terrible, on a il faudrait nous pas prendre notre piège ou pas vraiment. Okay, mais ça met plus force en Chica. Vous savez la vie, c'est en faire le combat. Nous parlons là, Jay. Ok, eh ben, c'est peut-être pas. Protection, boudoum. Eh bien voilà, donc si vous autres aussi recevez des masques, vous avez besoin de sentir l'odeur, criez-nous, parce que pour nous, vous savez ce qui va passer. Alors, la famille, vous qui habituez à randonner, nous, c'est important, comprenant comment on dirait que nous sensibiliser la population là, par rapport au danger qu'il y a en montagne là. Quand vous avez dit, Qu'il faut prendre ses précautions quand on part en randonnée. En fait, de nos jours, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui demandent constamment c'est où, qui veulent aller aux mêmes endroits, sans même se poser la question de combien de temps est-ce qu'il faut marcher, face à quel obstacle est-ce qu'ils vont devoir essayer de passer, etc. Qui ne regardent pas les conditions quand ils vont en grande terre, ils ne regardent pas forcément l'état de la mer. Quand ils vont en basse terre, ils ne regardent pas forcément s'il a plu les jours précédents, s'il va pleuvoir le jour où ils y vont. Et tous ces détails-là sont assez importants à prendre en compte avant de partir en randonnée. T'as un appel à prendre? Oui, il y a un appel. Donc, il y a un appel là. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, tu nous appelles d'où? Alors, des Abîmes. Abîmes, oui. Et alors, Géraldine. Géraldine. Alors, t'écoute. Du coup, j'appelle Chika par rapport à l'intervention de la dame de tout à l'heure, en fait. Mais c'est moi-même, Géraldine. C'est à quoi que tu parles? Oui. Vas-y. Oui. Alors, je te disais, par rapport à la dame qui vient d'intervenir en Martinique, donc effectivement, c'est un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement. Et on offre des masques, en fait, aux familles les plus modestes et les plus défavorisées. Ah, donc les masques, c'est pas pour tout le monde? Non, c'est pas pour tout le monde. Parce que tu sais, comme je n'étais pas au courant, donc je ne vais pas me prononcer quand je ne maîtrise pas bien le dossier. Donc, c'est une action pour les familles, c'est ça? Dis-nous. Exactement. Donc, j'ai tenu à appeler pour intervenir. Voilà, un peu comme les chèques énergie et tout, avec EDF et tout. Donc, du coup, les personnes n'ont pas de démarche particulière à faire. Ça arrive directement dans leur boîte aux lettres, en fait. Donc, depuis cette semaine, les gens commencent à recevoir directement dans leur boîte aux lettres, en fait, les masques. Donc, il ne faudrait pas être étonné si certaines personnes ne le reçoivent pas en se disant que moi, j'ai eu, moi, j'ai pas eu. Mm-hmm. C'est vraiment le ministère de la Santé qui décide en fonction des revenus et tout de chacun pour envoyer en fait des masques. Effectivement, c'est un lot de 6 masques. Voilà. D'accord. Et est-ce que tes masques, quand tu as ouvert, il y avait une odeur bizarre ou pas? Ben, en fait, une odeur bizarre. Parce que quand tu l'ouvres, en fait, effectivement, mais je pense que le fait que ça soit resté fermé aussi longtemps et tout, peut-être que, voilà. Donc, je pense qu'en amont, il faudrait laver. Et il faut savoir aussi à préciser que les masques, en fait, on en a fourni 6 et 21 lavages maximum. De ce qui précise, en fait, tout le courrier qui a été adressé avec. Voilà. Eh bien, Gérard, je te remercie. Pas gros bisous. Bonne soirée, bisous. Bonne continuation à toi, Chika. Voilà. Donc, je veux faire un petit coucou, une petite surprise. Hein. Un animateur frère, hein. Qui est connu de toute la Guadeloupe, qui travaille sur la radio la plus écoutée en Guadeloupe, animateur fantastique. Aujourd'hui, je sais que c'est son anniversaire, je vois qu'il est connecté, donc je lui dis Happy Birthday! Happy Birthday! Hein? Alors là, les gens qui disent, mais Chika, c'est qui mon aura parlé? Joyeux anniversaire, Jimmy! Eh bien, c'est monsieur Pierrot Jimmy, on va connaître Happy Birthday, longue vie, continuez le travail là, continuez, transmettre l'amour là, gros big up.
Alors, on va retourner aussi hein, sur Kilimanjaro Island. Donc, je vais faire en lot action. On aura combien d'actions à peu près Le 2 août, c'était la 18e. 18e. Ouais. Alors, qu'est-ce qui est objectif à Zol? Bon, déjà, d'essayer au maximum de débarrasser des décharges sauvages qui se trouvent en Guadeloupe, sur toutes les communes. On en trouve un peu partout et certaines très conséquentes. Et puis au fil du temps, de diversifier les projets, de pouvoir aller dans les écoles ou même dans les entreprises, de voir les structures faites pour les citoyens s'améliorer en Guadeloupe, que ce soit au niveau des déchetteries, que ce soit au niveau des bornes de tri, que ce soit au niveau du ramassage dans les communes, etc. Mais aussi de voir notre peuple, on va dire, se conscientiser et essayer d'agir, de consommer différemment, de limiter sa production de déchets. De s'informer pour, on va dire, un peu plus préserver la biodiversité qu'on a sur notre île, qui est assez extraordinaire. Boudoum, on prend un appel. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, tu nous appelles d'où? À Bastère. Bastère, le prénom? Hunt. Ouais, dis-moi. Hunt. Vas-y, on t'écoute. J'ai reçu le masque, comme la dame t'a dit aussi. Mm-hmm. Dans ma boîte à lettres. Et je ne sais pas, ça sent aucun odeur. T'as pas senti bon, il n'a pas senti mauvais, c'est ça? Voilà, voilà. Qui t'a reçu à voir la famille? Je là. D'accord. Quand je vais pas voir, il y a dans votre lettre là. D'accord. Uh-huh. Eh bien, nous allons remercier la famille pour appeler là. D'accord. Gros bisous. D'accord. Alors, c'est vrai aussi que je ne sais même plus, parce que nous avons fait tellement vite, les jours passent ensemble, je ne sais même pas. On faisait une émission pour parler du prix des masques en Guadeloupe. Il y avait des boîtes de masques vendues à 50 euros. La boîte de 50, 30 euros là-bas. Hein? Maintenant, on sait que, hein? Grâce à un frère qui nous a appelé, on sait qu'il y a des boîtes vendues 20 euros. La boîte de 50, c'est plus raisonnable. Parce qu'à peu près à Paris, c'est 14 euros, 15 euros la boîte de 50. Parce que là, nous quand rentrer l'école quand vient. Donc, est-ce que cette Simouna qui porte masque? Est-ce qu'elle doit commencer à parler de Simouna Zot? 17 Simouna, bon, il y a le Covid. Évite le contact avec les autres. Pas changer les goûters. Ça qui est raide, ou qui j'en ai fait? Ça n'est pas fait. Hein? Qui j'en va passer des Simouna jouer ensemble? Même si ni des maîtresses, ni des accès, mais y'a pas gardé, y'a pas fait ça. J'en ai fait tout ça. Qui j'en ai rentré quand il fait? Qui j'en ai fait? Comment on va faire? Je parle aux parents, les papas, les mamans, les mamies aussi, hein, les papis. J'ai réfléchi ça. Là, il ne reste peut-être même pas 15 jours de vacances encore. Il faut que nous refassions une émission aussi, ça, parce que ça, c'est un gros problème encore. Allô? Allô? Bonsoir, tu nous appelles d'où? Oui, je t'appelle de Paul-Louis. Paul-Louis, le prénom? C'est Yolande. Yolande, vas-y. Oui. Je suis désolée, mais je viens d'allumer la télé et oui. J'ai entendu une dame qui disait que moi, je n'ai pas reçu de masque. Hein. D'accord. Ça, c'est pertinemment que moi, personnellement, en comprenant le gars, c'est bon, c'est qu'à faire moi en idée. Ce petit masque blanc, là, nous voici en pharmacie, là, effectivement, masque là, il n'y a l'odeur. C'est masque qu'on a acheté en pharmacie, là, il n'y a l'odeur. Oui. Et moi, bon, je suis bien content qu'on va dire ça. Parce que comme je me dis moi, parce que moi, en fait, ma femme perso, hein, mais comme Marie et moi, qui a un soin tous les jours, qui a une rééducation tous les jours à vos pieds, donc on a acheté un paquet masque bail. Et là, on va dire, je n'ai pas mis le masque là. Et effectivement, l'homme mettait le masque là, il a senti qu'on ne peut pas définir l'odeur là. Mais attends, vous cachez masque lavable ou pas lavable? Ou masque lavable ou pas lavable, même pas encore ici, vous êtes là, il va mettre en boîte aux lettres là. D'accord. Allô? Oui, nous écoutez. Oui. Encore comme vous ici, vous êtes là, ma femme, il va mettre en boîte aux lettres. Mais honnêtement, ça là, encore ici, vous êtes là, qui va mettre en boîte aux lettres là. D'accord. Mais ça là, disponible là, mon tâche en pharmacie là, il y a l'odeur. Qui vraiment insupportable. Eh bien, d'accord. Vraiment insupportable. Eh bien, nous allons remercier la famille. Pardon? Nous allons remercier. Voilà. Ok. D'accord. Gros bisous. Boudoum, big up Jimmy, joyeux anniversaire, mon frérot. Alors, on recevra un message, hein, parce que c'est hier, on n'a pas fait émission. Hein. Non, avant hier,
tenir un frère qui te crié nous de petit canal, les mangue petit canal pour pédir nous, qu'elle tenir une fuite d'eau. Douvant Kazaï, depuis 3 mois, l'autre a gaspillé, l'autre a, comme coupure la tête avant le compteur, l'autre a fait mal. L'autre a. Les chutes du KOB, mais ça a fait un petit canal. Les chutes du. Hein? Mais elle dit, mais Chica, comme par hasard, le lendemain, alors que ça faisait 3 mois que j'appelais tous les services concernés. Le lendemain de l'appel, là on dit, quand il vient dans le petit canal, là on comprend, c'est vous qui êtes rentré en jardin là, eh bien non, à partir où? Équipe là déjà là pour réparer fuite là. Alors nous quand on remet au CEO, hein? L'essentiel que ce soit arrangé, parce que quand même, la Guadeloupe lit le baisse d'eau sans eau, dit les mouka arrêté 3 mois sans eau, et nous de côté de l'eau à gaspiller, un moment aussi, hein. Faut nous comprendre la réalité du pays. Mais comme nous, le monde père, nous ne pouvons pas bouche à nous. Mon père, la crête, la lâcheté. Quand tu as dit, Ibo, ce jour, il faut venir à plateau lever avec moi là. Ibo, ce jour-là, nous allons faire une mission là. Oui. Voilà. Parce que vas-y, mettre de l'eau à gaspiller, comme ça, depuis 3 mois, Bouga a crié, monté, descendre. Je ne vais pas venir à Jébida à Bouga. Ma fête, je vais venir, nous ne pas ordonner les autres. Nous allons prendre un dernier appel. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Tu nous appelles d'où? Du Lamantin. Lamantin, le prénom? Sandra. Sandra, vas-y. Alors, je voulais intervenir concernant les masques. Effectivement, il y a des masques qui sont vendus en pharmacie, parce que moi-même, je travaille dans une pharmacie. Mm-hmm. Et les masques ont une certaine odeur. Oui, c'est vrai. Il y a effectivement des boîtes de masques qu'on vend certains endroits à 20 euros. Oui, les 50, mais ces masques sont de mauvaise qualité parce que nous avons reçu à notre niveau des masques qui étaient, oui, moins chers, mais nous les avons vus, testés, et ils sont vraiment de mauvaise qualité, qui fait que nous ne les vendons pas à la population. Alors, Sandra, oui. Sandra, quand tu dis de mauvaise qualité, explique. Alors, le tissu, ils sont vraiment, ils ont déjà une odeur. Non, là tu parles des masques en tissu ou des masques chirurgicaux? Les masques chirurgicaux vendus en pharmacie. D'accord. Les masques à 20 euros, tu dis que ce n'est pas de la bonne qualité? Non, du tout pas. Si on était là, à notre niveau, je ne vais pas dire où est-ce que je travaille, si on était là pour faire de l'argent, on aurait vendu des tonnes de masques à 50 euros, à 20 euros. Ça aurait été bénéfique pour tout le monde. Mais nous avons préféré ne pas les vendre pour les habitants de la Guadeloupe. On a refait une autre commande qui est arrivée. Et effectivement, une boîte à peu près de 50 masques, il faut compter 47 euros. Une boîte de 50 masques, 47 euros? Ouais, quand même. Donc c'est. Mais alors, pendant que tu t'en vas en pharmacie, question. On m'a dit, dans mon oreillette, hein, elle est là, tu la vois pas, mais elle est là, elle est transparente. Hein, on m'a dit que si on est asthmatique, s'il y a une liste qu'on m'a donnée, mais je passe ça sur les yeux, qu'il y a des conditions pour faire un médecin, selon les pathologies, pour faire un médecin, faire une ordonnance. C'est vrai ou pas? Ça dépend. Mais dis-nous. Ça dépend. Il y a des médecins qui le font. Écoute. Oui. Personne ne nous écoute, on est tout seul, dis-nous. ça dépend. Il y a des médecins qui le font et il y a des médecins qui ne le font pas. Mais est-ce que c'est légal? Oui, quand même. Ça veut dire que selon certaines pathologies, on peut te rembourser ta boîte de masque? Pour le remboursement, je dirais non, quand même pas. Mais quand c'est sous ordonnance, ça veut dire c'est moins cher ou pas moins cher? C'est ça qu'on veut savoir. Non, quand même. Non, ordonnance, remboursement ou sans remboursement? Non, pas de remboursement. Donc ça sert à rien d'avoir l'ordonnance? Je pense, à mon niveau, non, ça ne sert à rien. Bon. Alors, si nous avons un docteur qui regarde nous, ou un monde qui connaît qui regarde nous, parce qu'on m'a dit à ce qui paraît, sous certaines maladies chroniques, on peut se faire prescrire la boîte de. Je ne sais pas. Donc, si nous connaissons, combien de docteurs qui regarde nous, pharmaciennes, je ne sais pas. Bon, bref. Si on peut renseigner nous, dis-nous. Alors, Sandra, donc chez vous, c'est 47 euros. Oui, auprès de nous, c'est 47 euros. C'est vrai que c'est un coût pour des parents. Je comprends surtout les enfants qui vont à l'école. C'est un coût. Maman qui n'est 5 timoun. Voilà. Faut y acheter 6 boîtes masques. Parce que c'est 2 masques par jour. Donc là, y acheter une boîte masque, ça fait 25 jours. 3 masques par jour par enfant.
Non, mais c'est ça. Alors, on va faire le problème. Prenez une feuille. Maxime, mettez-vous bien réfléchi aussi. Une maman qui a 5 enfants. Il faut qu'elle achète 6 boîtes de Max parce qu'elle fournit en boîte bail. D'accord? 6 boîtes de Max à 50 euros, on a dit. OK? 6 boîtes de Max. En sachant qu'un enfant doit... qu'une personne doit pas utiliser entre 2 et 3 boîtes par jour. Elle a combien de jours d'utilisation dans une boîte? Oui? Qui peut me répondre? 15, 16, même pas. Ça dépend. 50, c'est quoi? Alors, la solution, c'est... Allô, Sandra? Oui, je t'écoute. Encore pour nous partir. Moi, je travaille en même temps. Je peux même alors, pas 50. 50. Divisé par... 2 ou 3. Non, mais attends, on a dit 3. Bah 3, j'ai 15, 16 masques, un truc comme ça. 16 masques. À peu près. 16 masques. Non, on s'est perdu oui, là. Mais non, à peu près, ça fait ça. Alors, 16 jours, c'est pas 16 masques, 16 jours. Oui, 16 jours. 16 jours d'utilisation. Donc, elle doit avoir un budget de combien pour avoir les 30 jours? Combien de boîtes pour les 30 jours? Bah, tu fais... Tu vois, 600... ça a fait un problème. Avant pour me résoudre, ça a fait un problème, ça a un gros l'argent. Parce que c'est vrai, en 17, mais ni les mamans qui n'y 7, ni les mamans qui n'y 10 simons. Hein. Bien sûr, les grands-mères en nous, t'es qu'à faire 17 simons, 18 simons. Hein. Ouais. Les grands-mères en nous, pas t'es qu'à faire 1 simon. Hein? Ah, les grands-mères. À part qu'on est pas grand-mère, au moins particulier, au moins, hein, qui font 1 simon. Et toi, Sandra? Effectivement. Hein. Voilà. Alors, Sandra, on te remercie pour ton appel. Merci beaucoup. Et n'hésite pas à nous rappeler. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, Maxime, c'est qui ta prochaine action à Zot? Dimanche. Osoka. Dimanche activé. À Bouillante. Et le 30 à Bastère, normalement. Dimanche à Bouillante. À partir de quelle heure? À partir de 8h, on sera. Enfin, on a 3 zones à nettoyer si on a assez de monde. Il y a Duché, Machette et Malendur. Et le point de rendez-vous, c'est à Machette, le restaurant aux épices. Juste en dessous, il y a chez Tifofo. Il y a un terrain de foot en sable ou en terre. Et c'est là qu'on a donné le point de rendez-vous. Ok, donc dimanche Bouillante. Et la prochaine? Normalement, le 30 à Bastère. Bastère même. Donc, alors, où te contacter? Facebook, Instagram, sur Clean My Island, ou alors sur WhatsApp, 93 77 38. Et nous, quand rappelons encore, attention, pas aille en l'en mais tout seul. C'est les vacances, toi, mes pompiers. Pas aille en l'en mais tout seul. En l'homme, on veut faire scouter des mères. En long monde, j'en vais pas en scooter des mains sur bicyclette. En scooter des mains, pas en scooter qui est en la rue là. Si tu ne pas connaître nager, si tu sais pas nager, pas aventurer ou loin. Même si on a un gilet. Gilet là, c'est pas assurance vie. Hein. Gilet là peut être défectueux, pas connaître en l'eau, il bien fait tout. À un moment, sous mal marre, ça s'en fait, c'est où? Ou livrer à vous-même à où? Scooter des mers, attention! Les activités nautiques, attention! Ni on a monde qui m'aille, ils ont aimé à bateau, si bateau! Ils ont pas connaître nager! Les autres, si bateau, là, ils ont caboué! T'as pour crier à l'eau! Mais faut ni un monde qui est capable de sauver les autres à l'eau, hein! Parce que c'est tout le monde si bateau là! C'est tout le monde chat si bateau là! Si tu m'as un texte de texte de ce bateau là, si tu m'as un cri de ce bateau là, qu'on a fait? Son petit bateau, ça bien belle. Et là, tout le monde a ce bateau là, tout le monde a un string monokini, string kini. À partir de tout, ni quand même. Hein. Mais pour mon pas les gilets, regardez, après je vois en sorte de mon gilet. Parce que tant ou tomber en dollar, tant pour y'a pas vu ou tomber en dollar, tant pour y'a pas vu. Ou j'en ai. Et si yo vrai, de même musique la fois tout m'a papier à yo. Ou quand dit, allez, pas moun pas vrai. Attention, c'est prévention. Nous quand rime, c'est la vérité. Surtout les filles.
C'est pas tout le tout ni qui ni, hein. Et nage qui ni, pas ni nage qui ni. Ah ben d'accord, fais attention. En savre, il me dit oui, ma copine m'a invité. Ah ouais, Michel, ah là, ouais, mais. Ouh là là! C'est un piment monstre. Mais ouais, mais oh. Pas qu'on est nagé. Hein? Bateau la rachat vie ou pas qu'on est nagé. Ou des scouts là, pendant que vous avez dit, vous pouvez pas vraiment que vous tombez. Parce que vous avez même un coup de mes amis. Vous derrière, quand tu es béron, là vous avez fou dérapage ou tombez. Pendant que vous tombez, vous pouvez même vous tomber. Parce que vous avez même une intensité, une adrénaline. Pendant que vous tombez, vous avez nagé, vous avez paniqué. Pendant que vous avez paniqué, vous avez ôté gilet là. C'est fini. L'homme qui n'y. Attention! Après ces mamans, papa, la famille qui a pleuré. Attention! L'homme là ni danger! L'homme là ni des gouffres! L'homme là ni en sens! L'homme là ni en. Hein? Quand on dit encore? Prends pied là, mais fais attention! Ou comprenez? Bon, l'homme là ni des passes! Alors fais attention, l'homme là! Vous ne pouvez pas aller tout seul là. Vous ne pouvez pas passer avant tout seul là. Fais attention. Les Okaïs, ils ont aimé la rivière. Oui, mais j'ai vu ça sur Insta pour faire une photo. Fais attention. Vous avez sauté en rivière là. Vous avez regardé combien font ça. Parce que c'est moi qui ai sauté. C'est moi qui ai habité sauté. Et oui, on va faire un live. On va mettre ça sur Insta, bitin. Sur Insta. Mais est-ce qu'après Insta, il y a le futur? Attention. Donc nous carrie, mais fais attention. Ni on l'a pour payer la rivière là. Nous connaissons descendre la rivière là, mais songez, faut, comme il a dit Maxime, le retour. Est-ce qu'on peut faire ça? Parce que si vous chirez en rivière là, vous chirez en rivière, vous pétez en rivière là. Vous pétez, vous tchèrez en rivière là, vous tchèrez de ma tchèrez. Qui j'en crois à monter? Qui ou tient la rivière là, ou tient, même sans maman, sans papa, ma costaille, ou tient. Qui j'en crois à monter? N'y a pas les anciens qui ont dit, ces amis qui font si compagnie et tout. Pendant que tient la rivière là, je sais pas pour les filles d'abord, lorsqu'on prend le maillot aussi, ou longtemps pas le maillot, pas me savent. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est en il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, hein? J'aurai pas ni le maillot. Tu comprends? Bon, et pour les gars? Pour les gars, pour faut répéter là. Parce que pendant le tchad, il a regardé la petite, tu as dit, pour me servir devant Brenou l'habité. Un tchad misé, bité. Nous avons tchad misé. Brenou là, ouais, nous avons tchad Brenou l'habité. Ben, alors, et voilà, il y a des problèmes. J'ai misé tout ça. Donc, à partir des cas, il y a pas encore dit ses amis qui font ce qu'il n'y a pas ni tête. Il y a un peu de comprendre nous, nous sommes là. Il y a un peu de comprendre là. Vous comprenez ça, c'est des leçons de vie. Fais attention, alors Maxime, est bon de la faire, vas-y. Non, ben, juste de faire attention en rivière. En quelques jours, même en mer, comme tu dis, hein, avant-hier, il y a un gars qui a été retrouvé au large du Gosier. On ne connaît pas les raisons. Des accidents arrivent tous les jours. Hier, il y a un papy qui s'est fait taper par un camion à Bemao, je crois, aux Abîmes. Un accident est vite arrivé, même pour des personnes qui sont confirmées dans leur domaine. La nature ne prévient pas. Une prise qui est friable, un éboulement, une crue. Tout à l'heure, j'étais près de la cascade aux Écrevisses. Chica, pour le nombre de fois où j'étais en rivière, en vigilance orange, après 3 jours de vigilance orange, j'ai jamais vu de crue de ma vie. Là, on va juste faire un tournage près de la cascade aux Écrevisses et il y a une crue qui arrive. Par précaution, j'ai été remonté un peu pour voir s'il n'y avait pas de personne en difficulté parce que ça arrive très souvent, ça arrive très vite et t'as des gars qui restent bloqués au milieu et qui savent pas comment ressortir. Pourtant, t'es habitué. Par chance, il n'y avait personne, mais ça arrive vite. La nature ne prévient pas. Un message encore pour les pêcheurs, messieurs. J'ai même pêché à la ligne, ça belle. Réfiner les belles poissons, ça belle. Tout ça qui a pêché en falaise, attention aussi. Pêcher sont belles, bitin. Mais pas laisser la mer à pêcher où. Ça, c'est pas vrai à les pêcher. Moi, ça, si mon descend dans les pêcheurs. Pêcher sans belle bité, mais pas laisser la mer la pêcher. Parce que pendant qu'on pêche les trésors de la mer. Mais la mer a envie de pêcher aussi. Hein. On peut voir la mer aller, moun. Attention. Prévention, sécurité, en le l'amour. Donc, tout le monde, ajoutez la page Cliff My Island.
comme ça, ce qui est tout très sérieux, toute action qu'il y aura à faire, c'est des jeunes. Maxime, le mot de la fin, vas-y. Ben, rejoignez-nous, soyez nombreux, parce que c'est tous ensemble qu'on va réussir à changer les choses. Faut arrêter d'attendre derrière les politiques, etc. Parce qu'il y en a beaucoup trop qui n'en ont rien à foutre. Certains sont engagés, faut travailler avec eux. Et les autres, même si, comme tu disais tout à l'heure, ils viennent pas de leur plein gré, au moins l'action est faite et au final, le résultat est bon. Boudoum, en l'eau, l'amour basse. Rendez-vous demain, même heure, même antenne. L'amour. Belle richesse, ça, c'est bien.